Le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André Mbata Mangoulou, a reçu ce lundi 22 juillet, en début d'après-midi, une délégation de la présidence de l'Union pour la démocratie et le progrès social dans son cabinet de travail. Au menu de cet échange, la situation qui prévaut présentement au sein du parti phare de la majorité au pouvoir, famille politique de l'initiateur de l'Union sacrée de la Nation, Son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'issue de cette audience, le secrétaire national en charge de l'organisation et de l'implantation nationale de l'UDPS, Antoine Ababi Fouanina, qui a pris la parole au nom de la délégation, a déclaré qu'après la décision prise par la présidence du parti, il était impératif de le notifier officiellement à tout le partenaire de l'Union sacrée de la Nation par le biais du secrétaire permanent chez Vie ouvrière de la coalition majoritaire. Allons croire Augustin Kabuya, secrétaire général honoraire, ne plus habilité à représenter l'IDPS. Et par conséquent, il était nécessaire d'informer les responsables de l'Union sacrée de la Nation que désormais, c'est le doyen d'âge de l'exécutif national, M. Mukendi Mimbo Célestin Roger, qui a reçu mandat d'engager le parti présidentiel. C'est pourquoi nous sommes venus ici au secrétariat de l'Union sacrée pour leur informer que désormais, l'honorable Augustin Kabuya, notre ex-secrétaire général, ne peut plus engager l'Union pour la démocratie et le progrès social, notre cher parti. Dans notre correspondance, on leur a donné la personne la mieux indiquée qu'ils peuvent contacter. En l'occurrence, le doyen d'âge, Mukendi Mimbo. De son côté, le professeur André Mbata a assuré ses hôtes du jour qu'il transmettrait sans tarder leur requête à la haute autorité de référence de l'Union sacrée de la Nation, Son Excellence M. Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo, pour solliciter son arbitrage, mais également il a promis d'informer les présidiums de cette plateforme. Nous avons reçu cet après-midi une délégation du secrétariat national de la présidence de l'UDPS qui est venue pour déposer une correspondance au secrétariat permanent de l'Union sacrée de la Nation. Je suis donc le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation et je crois qu'ils ont bien lu le texte parce qu'ils avaient une correspondance à nous adresser et nous étions là avec mes collègues pour réceptionner cette correspondance qui a trait au désaveu de l'honorable Augustin Kabuya. D'après cette correspondance et d'après la décision qui nous a été notifiée, l'honorable Augustin Kabuya ne peut plus engager l'UDPS au niveau de l'Union sacrée de la Nation. Et vous le savez aussi, le secrétaire permanent fait office des rapporteurs de tous les organes de l'Union sacrée de la Nation au niveau national. Nous avons donc reçu cette correspondance et nous allons pouvoir la transmettre d'abord à la haute autorité politique, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Nous allons lui transmettre cette lettre en rapport avec les désaveux de l'honorable Augustin Kabuya, comme ne pouvant plus engager l'UDPS. Donc ils sont venus au bon endroit. Mais il faut également dire ceci, c'est que la crise à l'UDPS préoccupe fortement l'Union sacrée de la Nation, qui est l'initiative personnelle de la haute autorité politique. Et vous savez, l'UDPS était hier la fille aînée de l'opposition. L'UDPS aujourd'hui est la fille aînée de la majorité et l'Union sacrée de la Nation ne peut pas rester insensible à cette crise qui s'est vue au niveau de l'UDPS. Et nous estimons, nous souhaitons que cette crise soit de très courte durée pour qu'on se remette au travail. Nous avons une mission à accomplir, nous devons travailler et accompagner notre haute autorité politique, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans ces moments particulièrement difficiles. Il a besoin de l'appui de l'Union sacrée de la Nation qui est sa plateforme, il a besoin de notre soutien à nous tous, mais il n'a pas besoin de ces guerres internes. Et donc nous apprécions que nous avons eu cette correspondance et je crois que pour le reste, la nation sera informée à travers la haute autorité politique et les présidiums de cette lettre de désaveu à l'endroit de l'honorable Augustin Kabuya qui ne peut plus, d'après les rédacteurs de la lettre,
qui ne peut plus engager l'UDPS au niveau de l'Union sacrée de la nation. Pour rappel, une bonne frange de l'exécutif national de l'Union pour la démocratie et progrès social avait désavoué et retiré sa confiance à l'honorable Augustin Kabuya Chilumba le jeudi 11 juillet en cours. La base militante qui a fait sienne cette déclaration n'a pas tardé à emboîter les pas aux vaillants secrétaires nationaux. Chaque jour qui passe, nous enregistrons des déclarations, des désaveux venant de fédérations, tant de l'extérieur que de l'intérieur du pays. Et le tour semble se resserrer davantage autour du secrétaire général honoraire.